esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mort triste, nous avons été guéris. Mon âme est affligée aujourd'hui. Si tu es fatigué, dis, donne-moi un vin nouveau, Seigneur. Dame vino nuevo, vino celestial, de tu espíritu, embriágame, Señor. Un vin qui relève. Vino que alegra. Un vin qui avive. Allez, demande un vin nouveau. Vino nuevo, de tu espíritu, de tu espíritu, lléname, Señor, lléname, Señor. Quelqu'un commence à être guéri dans son cœur. Il a un problème d'arythmie cardiaque sévère. Le Seigneur te guérit. Il est en train de guérir ton cœur et d'ôter aussi ce souffle au cœur. Je te remercie, Seigneur. Il enlève des souffles. Quelqu'un a un souffle au cœur et le Seigneur te guérit. Et tu as la certitude dans ton esprit que c'est toi. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Et tu sens que le feu de Dieu est en train de changer quelque chose d'incurable, qu'ils n'ont pas pu traiter sur toi avec les médicaments. Aucun traitement n'est efficace, mais le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Ça brûle dans ton esprit, ça brûle là en toi, ton corps est en train de guérir. Je veux que ceux qui reçoivent la guérison viennent ici, ceux qui reçoivent la guérison. Aujourd'hui, il se passe des choses spéciales. Quelqu'un a ressenti qu'on lui a fait une tape sur l'épaule, une douce caresse sur l'épaule. Et aussitôt, la guérison est venue. Quelqu'un qui a aussi des difficultés à bouger d'un côté, comme une paralysie d'un côté. Le Seigneur vient de te toucher. Sois guéri, reçois ta guérison. Commence à bouger ton bras, commence à bouger ta jambe. Et viens ici si le Seigneur est en train de te guérir. C'est l'heure de ta guérison. Je te remercie. Quelqu'un qui sent que sa tête va éclater. Elle sent que sa tête va voler en mille morceaux à cause de la douleur. Mais le Seigneur vient de te guérir. Viens ici, dans la colonne vertébrale. Dieu touche les disques de ta colonne. Sois guéri. Thank you.
Alléluia. La dame m'a dit que cela faisait 2 mois qu'elle avait un problème sévère à la hanche. Elle dit que même la nuit, la douleur était terrible parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Je me réveillais souvent dans la nuit. Je ne pouvais pas bien dormir. Et que s'est-il passé? Et j'ai senti le toucher du Seigneur. J'ai senti de la chaleur, beaucoup de chaleur. Peux-tu bouger la hanche? Tu peux la bouger comme ça? Oui, je ne pouvais pas monter les escaliers. Bien, gloire à Dieu. Oui, comme ça, en marchant, en marchant. Tout est bien, nous pouvons sauter tous les deux, parce que le Seigneur l'a guéri. Allez, avviamento, donnons un bon applaudissement au Seigneur. Regarde, 600 et 2 ans avec des problèmes de colonne vertébrale. Ils m'ont fait un IRM, ils m'ont fait des radios, ils n'ont jamais trouvé le problème. Et en écoutant la parole du pasteur et de notre Seigneur dans sa bouche, j'ai senti qu'il m'avait guéri. Et je n'ai plus de douleurs, j'ai pu bouger tranquillement. En ce moment, ça fait 15-20 minutes que je n'ai plus mal à la colonne. J'ai pu bouger sans problème, j'ai pu faire des mouvements latéraux et des mouvements normaux. Totalement guéri, donnons la gloire au Seigneur. L'année dernière, il n'a pas pu travailler parce qu'il n'avait pas de baccalauréat, il n'avait pas rempli son livret militaire. Alors, il a porté un offrande dans l'hôtel et avant que l'année ne finisse, ils l'ont appelé pour un emploi avec un contrat. Même s'il n'a pas le baccalauréat, il n'a pas le livret militaire, ils lui ont dit qu'ils vont lui payer son baccalauréat. Ils vont lui payer tous les cours. Au chaque niveau des cours qu'il suivra, ils vont augmenter son salaire. Ils vont payer la carte militaire. Ils ont promis aussi qu'ils vont lui payer son université. Impressionnant, le Seigneur. Regardez, Ramento, c'est notre Dieu. Une offrande de l'hôtel, et pas seulement tes rêves morts, mais encore plus ce que tu entendais jusqu'à l'université. Je crois que c'est le moment de nous mettre debout et de glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Regarde ce que dit la parole du Seigneur dans Jean chapitre 5. Il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. » Il n'y en a qu'un, et son nom est Jésus. Si tu crois en lui, tu as l'espérance de la vie éternelle. Alors, en ayant cru en lui, il n'y a pas de condamnation à cause du péché. Alors, peu importe quelle est l'angoisse, l'affliction ou la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas, ne te montre pas du doigt, ne te juge pas. C'est le jour que le Seigneur a fait, et il l'a fait en pensant à toi. C'est le jour qu'il a planifié en pensant à ton salut, en pensant à ta réconciliation. Alors si tu es prêt, ferme là tes yeux et fais avec moi la prière suivante. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis pécheur, je suis loin de toi, mais je me repens et je retourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite à entrer dans mon cœur, que tu laves mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Je veux être fidèle à toi et à ta parole pour le reste de mes jours, jusqu'au jour où je serai avec toi en train de te célébrer pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Alléluia. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Et moi, ce que je veux, c'est revenir à notre époque. Tout ce qui s'est passé avec Akab et Élie et avec Jézabel est extraordinaire. Car ce n'est pas une petite histoire, c'est l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, inscrite dans la parole pour notre bénédiction. C'est un peu comme ce que nous vivons ici et maintenant. Concernant cette boue qui nous inonde avec toute la pornographie des choses les plus aberrantes qui se passent depuis des siècles, nous vivons le pire moment moral. La société colombienne, d'après ce que nous pouvons estimer, est si conservatrice, mais elle est tombée aux mains des médias.
il est tombé entre les mains de ses gouvernants, de mauvais dirigeants, comme ceux d'Israël, dont les mains d'Acab et de Jézabel. Et ils ont décrété des ordres absurdes. Et on les applaudit. Et ils les mettent en œuvre à tout moment. Et obtiennent des autorisations. Et s'ils doivent marcher, ils marchent. Et s'ils doivent le faire nu, ils se déshabillent et ils marchent. Parce qu'ils n'ont pas de morale. La seule morale qu'ils ont est celle d'un petit bocal. Mais c'est tout. Et nous, nous sommes tombés dans ce piège. Et nous nous sommes laissés attacher ce petit lien autour de la taille. Et alors, nous nous accordons de petites permissions. Non, c'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Mais comme le mal avance, comme chaque jour c'est plus immonde, alors il nous semble que comme je ne suis pas aussi pervers que ça, alors un petit écart ce n'est rien, une cuite ce n'est rien, une femme avec laquelle tu ne passes qu'une seule petite nuit ce n'est rien, voler, pécher, diffamer, mentir, ne pas te soumettre aux lois, rébellion et révolte, ce n'est rien. Cela n'est pas aussi grave que ce qui se passe dehors. Des mariages homosexuels. Laisse-moi te dire quelque chose qui a arrêté mon cœur. Aux États-Unis, il y a un procès en cours avec une femme. Et cette femme qui accusait un homme, elle disait, « Vous aviez signé une association avec moi. Nous allions exporter de la viande. » Et vous étiez d'accord avec moi, de la viande exotique. Ça pouvait être de la couleuvre, ce pouvait être du crocodile, ce pouvait être je ne sais quoi. Mais alors arrive l'homme qui dit au juge, « Je ne peux pas continuer mon association avec elle parce que ce qu'elle fait est immonde et je suis un homme religieux. » Ils ont commencé à se moquer de lui. « Vous êtes si bon, oh, vous êtes si saint. » Alors, vous n'allez pas le faire? Il lui dit, non, madame, parce que ce qu'elle veut exporter, c'est de la chair humaine. Au Japon, ils en mangent. De la chair humaine. Et un homme entra et dit, je viens la soutenir. Elle m'offre une assurance vie pour mes enfants, car je n'ai pas de quoi les éduquer. Mais le jour où je mourrai, elle a le droit de venir pour mon cadavre, l'emporter au Japon et le vendre par morceaux. Et il dit, les Japonais aiment les fesses parce que ça ressemble à la viande de porc. Ce sont les plus en chair et quand on les frit, ce sont les morceaux les plus savoureux. Quelle cochonnerie! Du cannibalisme! Au 21e siècle, du cannibalisme pur et dur. Pourquoi les lois le permettent-elles? Elle l'a accusé, non parce qu'il vendait de la chair humaine, mais parce qu'il a mis fin au contrat. Une façon dissimulée pour dire « vous allez payer à tout prix » et elle l'oblige à payer tout le contrat. Et moi je dis « Seigneur Jésus, que devrons-nous voir encore ?» Seigneur Jésus-Christ, au secours, viens Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Que vont vivre nos enfants? De quoi vont hériter nos petits-enfants? Que vont récupérer nos générations? Quand déjà nous sommes en train de choisir sur la carte de la viande humaine, l'avortement, c'est autre chose. Ils accusent la femme parce qu'elle veut avorter et le papa dit « Je ne veux pas qu'elle avorte, je désire avoir cet enfant. Tout ce que je lui demande, c'est qu'elle l'ait. Je la garderai, je ferai attention à elle et quand le bébé naîtra, qu'elle me le donne. » Mais elle lui dit « Non, pourquoi je lui donnerai? Ce corps est à moi. Je peux faire avec mon corps ce que je veux bien et les lois me soutiennent. Et moi, ce que je veux, c'est que plus ma grossesse avancera, plus ils vont me payer. Ils vont me donner plus d'argent parce que je vais vendre le fœtus pour qu'ils prennent les cellules humaines pour les cosmétiques et pour les maladies et pour d'autres choses. Alors ils ont le droit de prendre le bébé, le déchirer,
le tuer et le vendre en petits bouts. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai dû pleurer, j'ai dû crier, j'ai dû lui dire, Seigneur, retiens la malédiction. Jusqu'où va-t-on arriver? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont éloquents et ils rient. Comment peut-on rire? Ils assassinent des quantités d'enfants tous les jours et maintenant, ils font des expériences qu'on faisait avec des animaux. Les animaux ont été sauvés parce que la société protectrice des animaux a fait des démarches et a obtenu qu'on respecte la vie des porcelets, des chiots, des chatons. Et les enfants? Et les enfants? Mais si tu vas contre la loi, ça peut te coûter cher parce qu'ils veulent qu'on soit silencieux. Parce que ça peut nous coûter très cher. Les aberrations sexuelles plus grandes, plus immondes, plus dégoûtantes, dont tu n'as même pas idée. Tu ne veux même pas le savoir. Aujourd'hui, ils ont des lois qui les défendent. Aujourd'hui, ils ont des lois parce qu'ils ont une grande bouche. Que veut Satan avec nous? Que veut-il avec nous? Comme Jézabel, comme Akab, comme nos dirigeants. Chut! Tais-toi! Tu dois être un chien muet. Tu ne peux rien dire parce que sinon ils peuvent te mettre en prison. Et quoi? Et quoi? Cela vaut-il la peine de rester comme un chien muet? Vaut-il la peine d'accepter toute l'immondice qu'ils veulent faire avec nous, avec nos enfants, avec notre société, avec tes fils? Cela vaut-il la peine? Et les petits péchés, ça en vaut la peine? La pornographie, j'en ai déjà parlé, tuer, voler, mentir. Tant de choses pour lesquelles aussi nous ne voulons pas nous repentir. Lorsqu'on fait des appels ici à l'hôtel, il en passe et en passe des tas et ils sont restaurés par le Seigneur. Et on fait d'autres appels et là, il en passe et en passe. Mais ce sont presque toujours les mêmes. Que se passe-t-il? À quoi joue-t-on? À changer le canal TV car maman ne voit pas? Jouons-nous à la corde raide? Et si Jésus venait te chercher cette nuit, es-tu sûr de partir avec lui? Es-tu sûr 100% de partir avec lui? Parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne va pas te prévenir. Il va pas te prévenir. Et seuls ceux qui sont devant lui, nous qui veillons sur nous-mêmes, qui répandons notre cœur dans sa présence chaque jour, peut-être que nous ne serons pas surpris. Et nous pourrons partir avec lui. Je m'arrête là ce matin. Et j'exhorte l'Église. Et je vous dis, il est nécessaire, frère, de restaurer l'autel pour chercher Dieu. Et quel est cet autel? L'autel familial. Un autel où papa prend la Bible. Et si tu es mère célibataire, prends la parole. Explique-la à tes enfants de façon simple. Pas pendant 5 heures d'une manière fanatique. Tu expliques la parole d'une façon simple. Tu pries pour ton enfant. Tu lui inculques les principes, tu lui apprends à être un homme de Dieu. Tu le rends passionné pour Christ parce que tu as le pouvoir, l'autorité, tu peux le faire. Crois-moi, tu peux le faire. Et Jésus va t'appuyer, l'Esprit Saint sera avec toi. Et il t'emmènera loin, loin, toi et tes générations. Mais loin en bénédiction, pas loin dans l'immondice. Nous allons restaurer cet hôtel de famille. Nous allons dénoncer le péché, lui dire « Tu es immonde, tu es immonde !» Il est immonde ce péché. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Ce que je veux ce matin, c'est qu'Avivamiento puisse tourner son cœur vers Dieu. Oublie la prédication. Oublie-moi. J'ai dit ce matin au Seigneur, n'utilise pas cette âne, mais agis pour ton peuple. Parce que moi, oui, je crie, Seigneur, que ton peuple te connaisse, qu'il ne doute jamais que tu es le seul Dieu, qu'il ne soit pas idolâtre et léger,
qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux. Dieu ne nous a pas appelés pour nous donner des petites tapes dans le dos et nous dire à tout bien, bien, quand il sait qu'on va droit en enfer. Non, Seigneur! Non, Seigneur! Nous sommes ici plantés dans cette terre parce que nous sommes la lumière et le sel du monde. Nous devons avoir la lumière et nous devons être le sel. As-tu le ciel fermé? Il n'y a point de nuages ni de plis dans ta maison. Tu vois que sur tout le monde, il pleut la bénédiction, mais pas sur toi. Je veux te dire quelque chose et je vais finir ici. Jusqu'à quand, Avivamiento? Jusqu'à quand, téléspectateurs? Jusqu'à quand, église de Colombie en dehors de la Colombie? Jusqu'à quand, brebis en ligne? Clocherons-nous entre deux pensées? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le! Et si Baal est Dieu, va après lui. Mais tu ne peux pas marcher d'une double façon, parce qu'un jour, cette corde raide va te faire tomber et te tuer. Tu vas rester là, et il n'y aura plus d'opportunité pour la repentance. Le Seigneur a été patient. Il a été patient, clément, lent à la colère et grand miséricorde. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous hésiter entre deux pensées? Je vous implore, s'il vous plaît, de ne pas venir avec les demandes ici devant. Je veux des gens qui disent « à partir de ce jour, on peut me couper en 1000 morceaux et j'ai besoin d'être si passionné que chaque petit morceau crie « J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus ». Il est mon Dieu, il est ma vie, il est ma passion. Je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre que pour lui. J'ai besoin que Jésus, à partir de ce jour, soit ce roi, soit ce Seigneur, soit ce directeur, le constructeur de ma vie et le constructeur de ma maison. Je veux que ces personnes viennent, seulement ceux à qui je puisse dire jusqu'à quand. Merci Jésus. Merci Jésus. Je veux que tu entres au ciel. Je veux que tu ailles avec papa. Je veux que tu puisses être là devant lui au grand repas. Je ne veux pas que tu restes ici. Je ne veux pas que tu passes l'éternité avec Satan. Je te supplie avec insistance, dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, de ne plus hésiter entre deux pensées. Je te supplie dans le nom de Jésus que tu affermisses tes pas en lui. Moi, ta pasteur, j'intercède. Il t'a interpellé à toi, à toi, à toi, pour que tu dises « ça suffit, plus de péché, plus d'écart, plus de petits jeux, plus de mensonges, fini. Je vais m'affermir et je vais me passionner pour un seul, pour Jésus. Le pacte d'aujourd'hui avec Dieu est la sainteté. Je vais te servir, Jésus. Je vais me passionner follement et éperdument pour toi. Je ne veux plus jouer à l'enfant chrétien qui apporte sa Bible sous son bras comme déodorant, mais qui ne l'utilise jamais. Le pauvre dos de la Bible est tout taché, mais les pages sont toutes neuves. Jusqu'à quand? Avivamiento, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Avivamiento? Jusqu'à quand allons-nous favoriser le mal parce que ça nous convient? Jusqu'à quand allons-nous voler parce que celui qu'on vole en a assez? Jusqu'à quand allons-nous mentir? Jusqu'à quand allons-nous commettre ce péché plus grand qui se commet à genoux et consiste à se faire passer pour des saints devant Dieu comme s'il n'était pas Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi ne donnes-tu pas l'opportunité à Jésus d'entrer véritablement dans ton cœur et que tu te consacres sérieusement et sincèrement à lui? À lui. Quand tu arriveras devant la présence de Dieu, tu vas dire « Mais Seigneur, je ne savais pas.
et va te dire mensonge, parce qu'il y avait cette femme avec le doigt levé accusant le péché. Si ça vaut pour ce groupe et pour ceux qui l'ont vu à la télévision, amen. Qu'il se passe, que nous en ayons marre du péché. Qu'il ne remplisse plus mes pensées de saleté et d'immondices et qu'enfin les personnes soient saintes. C'est le moment de rendre des comptes au Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous laver de toute iniquité. C'est le jour où nous devons rendre des comptes au Seigneur et prendre une décision radicale pour Jésus. Radicale. Que tu te lèves pour finir avec tes balles. Ce que tu adorais, certainement, ce ne sera pas une statue. Je ne crois pas qu'il y aura de l'idolâtrie. Et s'il y en a chez quelqu'un, arrache-la. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il est nécessaire que vous l'adoriez. Également, je pense qu'il n'y ait pas d'image. Mais je crois qu'il y a d'autres idoles. Des choses que l'on fait, plus graves. Des fois, nous nous intéressons plus au sport. Nous savons plus ce qui se passe dans les équipes que dans nos Bibles, plus que notre Dieu, que notre amour pour lui. Ou des fois, ce sont des personnes, et non Jésus, sur qui nous nous appuyons et en qui nous nous confions, et pas en Dieu, et nous le provoquons jusqu'à la jalousie. Parfois, ce sont les souillures, comme la pasteur le disait, la pornographie, ou des choses immondes, je ne sais pas, peut-être des amitiés qui ne conviennent pas, des chemins qui ne conviennent pas, des choses que nous faisons qui sont abominables pour Dieu. Et nous sommes entre le oui et le non, sur cette corde raide. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il vomira les tièdes de sa bouche. Plus de tièdes aujourd'hui. Aujourd'hui, avviamento. Et aujourd'hui, ceux qui regardent à la télévision, 100% pour Jésus-Christ, radicaux pour Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, le feu de Dieu nous touche et que nous puissions dire « Jésus est Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Alléluia. » Thank you.